Bonjour, Mode d'emploi vous emmène à Saint-Astier, en Dordogne, à la découverte d'une activité qui remonte à 1850, la fabrication de chaux hydrauliques naturels. Nous allons découvrir les différentes étapes de production, de l'extraction du calcaire en carrière sur un site à 20 mètres de profondeur, jusqu'à son conditionnement en sachet, 6 millions sortent de cette usine. Saint-Astier revendique la place de numéro 1 français sur le marché de la production de chaux naturels. Une histoire familiale qui s'étend sur 4 générations. Antoine Bastier, direction générale de Saint-Astier. Les familles qui sont encore présentes aujourd'hui à Saint-Astier sont là depuis pratiquement un siècle et exploitent ce calcaire sur le site où nous sommes. Pourquoi il y a des usines à chaux à Saint-Astier ? C'est qu'il y a un calcaire exceptionnel qui a été repéré il y a des centaines d'années par les utilisateurs de chaux parce que c'était le seul matériau de construction. Et depuis toujours, on creuse à Saint-Astier pour extraire du calcaire et fabriquer de la chaux. Actuellement, la société emploie 130 salariés. Descente à 20 mètres sous terre dans la carrière de calcaire, du calcaire siliceux, unique en Europe. Chose insolite, la carrière passe même sous l'autoroute A89. Il a fallu mettre en place des piliers de soutènement. Cédric Espy, directeur industriel de Saint-Astier. Et sur 40 hectares, on est obligé de se déplacer en véhicule. D'un bout à l'autre de la carrière, on est sur un peu plus de 2 km de long. Donc là, ils sont 6. Avec 4 personnes en équipe de production qui travaillent en 2 fois 7 heures et une personne de journée qui s'occupe un peu plus de la maintenance, plus le responsable de carrière. Ce contremaître commence par simplement tout faire exploser avec des bâtons de dynamite préparés avec minutie et disséminés sur l'ensemble de la paroi afin de créer de nouvelles galeries. Benoît David, contremaître de carrière. On vient d'introduire 76 kg d'explosifs dans la volée. Et ça va donner à peu près 450 tonnes de pierre. C'est pour creuser, c'est pour extraire la pierre, pour qu'on ait de la pierre à amener au concasseur pour après monter dans les fours et faire de la chaux. Le tir, c'est la première étape. On tire, on extrait la pierre et puis on l'amène au concasseur. Ça passe à la station de concassage, la pierre est triée et puis ça monte après au four. Avant cela, il faut tirer les fils, les contrôler avant de les relier au détonateur. Il y a des normes de sécurité drastiques à respecter. Il faut avertir tout le monde de l'imminence du tir via la radio ou encore via des signaux sonores. Une fois le protocole respecté, le tir peut avoir lieu. Attention ! Les vibrations provoquées par la déflagration sont perceptibles sous terre, mais aussi en surface. Mais si la carrière existe ici, c'est surtout pour les spécificités de la pierre. Environ 350 tonnes de pierre sont extraites chaque jour. Lilian Dory, directeur général opérationnel Saint-Astier. Cette pierre que vous voyez là, elle a des qualités exceptionnelles. C'est grâce à cette pierre que nous allons fabriquer 3 types de chaux. Et ces types de chaux-là sont aussi d'une grande et très grande qualité. Cette pierre, c'est du calcaire. On voit ici dans cette pierre une veine de silice, donc une incrémentation de veine de silice à l'intérieur, et c'est ce qui fait la qualité de notre chaux naturel hydraulique. La prochaine étape, toujours sous terre, le concassage de cette pierre. Elle est triée selon un calibrage spécifique, puis concassée, avant d'être acheminée à la surface, directement vers les fours. Remontons à la surface où nous découvrons ces fours qui vont effectuer la transformation du calcaire en chaux vive selon un processus bien défini. La cuisson s'effectue à plus de 1000 degrés. Au total, le site est composé de 5 fours à chaux. En fonction de la qualité de chaux que l'on souhaite, on va mélanger une certaine quantité de combustible qui est du charbon avec notre pierre. Et ensuite, on a des réglages sur le four, sur l'air, sur la quantité de combustible et également la cadence au niveau des fours. Et donc, on peut jouer avec ces différents paramètres sur la qualité de la chaux que l'on souhaite et que nos clients souhaitent. L'étape suivante est l'hydratation de la chaux vive avec de l'eau. Il s'agit essentiellement d'eau de pluie. On extrait la pierre qui est en carrière.
et on utilise, qui est en souterrain effectivement, et qu'on utilise dans nos fours, qui sont des fours droits. On obtient de la chaux vive, on mélange cette chaux vive avec de l'eau pour pouvoir l'éteindre, et ensuite on la broie pour affiner le produit. L'ensachage, une étape délicate tout de même. Chaque jour, 175 tonnes de chaux sont produites sur les sites de Saint-Astier. À l'année, plus de 6 millions de sachets sortent de ces usines. Ce process qui est un process, je vais dire, millénaire, ce process fait que nous allons produire une chaux et nous sommes sur le secteur de la restauration du bâti ancien. Mais nous avons aussi des enduits qui ont des particularités que nous allons pouvoir retrouver sur plusieurs chantiers en France et à l'étranger. L'export représente 15% du chiffre d'affaires de Saint-Astier, qui est de 27 millions d'euros. La chaux de Saint-Astier est particulièrement prisée pour la restauration et la rénovation de patrimoines anciens. Elle a été utilisée dans la région pour le phare de Cordouan, les façades de Bordeaux ou encore le Grand Théâtre. Et à l'international, la Sagrada Familia à Barcelone, le Metropolitan Museum d'Art de New York et une partie de la Place Rouge à Moscou. Preuve que l'objectif de Saint-Astier est de s'ouvrir davantage à l'international.